Toujours en images, au Burkina Faso, le coup d'envoi pour la construction d'une usine de transformation de tomates basée à Bobo-Dioulasso a été donné. D'un coût total de 5 milliards de francs CFA, soit 8,1 millions de dollars, ce projet est financé par l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Selon les informations relayées par les médias locaux, les travaux devraient s'échelonner sur une période de 6 mois. Elle occupera une superficie de 3 hectares et sera dotée d'une capacité de production de 5 tonnes de concentré de tomates par heure pour la satisfaction des besoins du marché intérieur de l'exportation. Une fois opérationnelle, elle devrait également contribuer à la création de 100 emplois directs et de plus de 5 000 emplois indirects selon les autorités.